Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, la partie c'est pas Coucou tout le monde. C'est les Madu. Ça dit quoi l'équipe? C'est son intro pour les vlogs. Yo la team. Yo. Yo. Ouais, elle a une semaine chargée de fou, elle m'a dit. J'ai bien réfléchi la team. En fait, je me suis fait bananer comme un bleu là. Andreas, il vient de passer élite sur Fortnite, c'est ça? Unreal. Voilà, donc c'est le niveau le plus haut. Ouais. Il a signé Fortnite toute la semaine et moi je me retrouve avec lui. Mais t'inquiète Steph, on va aller à Salty Springs. Et lui, il a fait le braquage de l'année, il est passé de Alex à Andreas. Mais lui aussi, il est unreal. Je te jure que je comprends pas. Ah ouais, il est unreal. Ah ouais, lui, il est irréel. Hein. Ah ouais, c'est unreal de chez unreal. Je vous jure que maintenant, en y réfléchissant, comment ça s'est passé? Comment je me retrouve avec Alex alors que j'avais Andreas qui a 4000 heures sur le jeu? Yann, il a ouin-ouin. Non, tu regarderas le rôle, je vous ai manipulé tout ça un par un. Et il a ouin-ouin. C'est pour ça que lui et Gotha, ils s'entendent bien. Pareil, les deux. Comme il disait Steph juste avant, l'avantage, c'est que si vous gagnez, oui, vous avez rien à prouver par rapport à lui. Non, mais logique de fou, il a 4000 heures. Il a 10 fois plus d'heures que nous deux réunis. Par contre, si on gagne. Oh là là. Imagine, on finit devant vos qualifs. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah rien. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Par contre, nous, non, mais tous attendez, les attendez. Jours, on va avoir un mail. Nous, on va rien faire. Je pense qu'il faut qu'on prenne des paris, une équipe contre l'autre, avec un petit malus. Enfin, ou un bonus pour nous, tu vois. Faut qu'on calcule ça bien. Bah, par exemple, on fait un celui qui finit devant. Mais nous, on commence genre avec 10 points, ou 5 points, ou 2 points en fonction de ce qui est faire. Bah si. Bah non, moi, j'ai jamais joué. Arrête. T'as tryhard tout le week-end. Je t'ai vu connecté sur l'Epic Games Launcher. Il est parti en bootcamp chez Podasai, il m'a dit. Ok la team, bon bah nous on va manger et voilà, à toutes. Voilà, encore une fois, Stéphane, les réglages caméra. Vous êtes des mythos, j'ai voilà. Rien fait. Voilà, attends, on explique, un peu de contexte. Steph a pas arrêté de m'accuser d'avoir saboté la caméra. Or là, premier rush de la semaine, Steph qui a la cam en main. C'est tout blanc, c'est tout cramé. Et après, Alex qui a la cam, tout est normal. Voilà. Trop bizarre. Moi je pense que c'est un prank, vous m'avez saboté la cam. Mais oui, Alex est venu voir, me dit tiens, Steph fait l'intro dès lundi, parce qu'on me voit tout le temps faire l'intro dès lundi. Et comme par hasard. Donc déjà, tu sabotes la cam. Et en plus tu manges des donuts alors que t'es en jet. Tu vois, ça prouve que c'est lui qui m'a saboté. Ça vraiment. Sache que si c'était moi qui avais acheté ces donuts, c'était le truc Nutella à l'intérieur et au dessus. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Pas le truc à la fraise de... Ouais mais c'est bien, c'est elle-ci. Sur 100 grammes, il y a combien de grammes de gras? 27. 105. Mec, nul en maths. 27, il a tout niqué. C'est 27. Et sucre? 42. 40. 40 plus 27, 67. C'est-à-dire que les deux tiers de ce truc, c'est de la graisse et du sucre. Ça qu'on aime. Et ça plus ça égale ça. Donc ne mangez pas ça les gars. Ah ouais. Mais pourquoi il y a ça sur ton bureau du coup? Pas le dernier sur le rab à la cantine hein. Et toi t'es pas le dernier pour acheter du shampoing connard. Oh aïe aïe. Oh tu vas rien dire à ça. Bon, en fait moi j'ai pas de répartie frère. Bref personne me demande. Oh là là, la nouvelle gourde. C'est ta gourde Roland Garros que t'as eu à Roland Garros? Non, alors je suis obligé de changer de gourde parce que j'ai perdu, pour pas dire qu'on m'a volé ma gourde Roland Garros. Non mais du coup je sors ma gourde PokerStars. C'est longtemps qu'on n'est pas parti en voyage avec PokerStars, donc je refais un peu de pub tu vois, pour qu'on voit dans les vlogs PokerStars les frérots d'amour. En plus l'eau elle a un goût succulent dans cette gourde. Tu sais, elle a un goût un peu d'eau, genre des Bahamas, ou Las Vegas, ou Barcelone. Tu vois, je sais pas trop, mais ça fait longtemps que je suis pas allé. Est-ce qu'elle a le goût de la victoire? Elle a le goût de la victoire? Vendredi, elle aura le goût de la victoire. Ah, il y a quoi vendredi? Vendredi, on détruit Tuché Pic là. Oui. Tuché Pic. Ok, vous savez que j'ai fait de la magie? Vas-y. Non, il y a des miroirs, je vais casser. Vas-y. Attends, mais en vrai de vrai. En vrai, je sais jongler. En vrai, il y a un départ. Ah, bah attends, je vais jongler avec le truc. Oh, Yann, j'ai une idée. Oh, Yann, ouais. Yann, j'ai une bête d'idée 100% safe. Yann. Tu es chaud ou pas? Yann, est-ce que tu me fais confiance ou pas? Yann, mon pote. Je suis parti mourir là-bas là. Mais non, Yann, viens. Est-ce que ça implique des fléchettes? Oui. Oui. Bah non. Il s'est entraîné. Prouve-le que tu vas d'abord, avant qu'il mette sa main. Attends. Je me crois, stop, c'est bon. Genre à l'époque, tu vois, ça me dérangeait pas et là, j'ai la flemme. Aucun risque. Là, il y a la main dessus là. Tu me l'as rétréci là, non? Non, au contraire. Là c'est en plein là. Non. Là je suis bien planté là. Ah putain non, mais ça rentre bien fort. Oui non mais regarde, c'est comme ça. Ça reste bien bloqué hein. Non, c'était un échauffement, c'est toujours le la pire, deuxième. C'était pas loin. Oh là là, c'est dans le pouce là. Dans le pouce là. Là c'est l'ongle droit là. Attends, la petite dernière. Ouais, ça a traversé. Il a envoyé super haut. C'était celle-ci qu'on avait. Ça me paraît fou que j'ai lancé ça. Comment t'as pu accepter ça il y a un an et demi? Il est complètement dingue. C'est la gueule de triste. Oh, nickel. Attends, mais il y a la vitre du frigo derrière. Bon allez Yann. Non, c'est pas juste. Oh putain. Ouais. Oh la doguine. Bon allez Yann, trêve de plaisanterie. Attends, t'as vraiment cassé. Allez go. Allez Yann. Attends, mais il faut peut-être mettre plusieurs cartons. Franchement, c'est pas assez là.
Oh frère, abuse oh là, là. Steph, est-ce que t'as confiance en moi? Non, zéro. Franchement, regarde, tu vas mettre ta main ici. Le plus non, possible, sur les 7 personnes qui sont là, s'il y a bien une seule personne en qui j'ai pas confiance, c'est toi, Alex. Tu vas mettre ta main là. Et moi, je te jure que je vais avoir ailleurs sur le carton. Non, tu la mets bien bas. Même si tu peux mettre toute ta volonté, tu vas me la mettre sur la main. Je te montre que je vais l'envoyer bien haut. Oh, on va mettre dans le chou. Mais c'est pas si haut. Je mets ma main là. Et toi, tu te prends 0 risque. Non, alors, fais comme ça. Il doit mettre. Ah, c'est mort. Écoute, c'est mort. 100%, je te dis. Non, c'est mort, je peux pas. 100%, Alex. Si, ça, moi, je le fais. Ah, mon dieu! Ouais. Merci Elise. Vous êtes des fous! Vas-y, Alex, mets ta main. Mais t'as jamais vu les TikToks, ça se plante! Non, la main entière! Allez, dépêche-toi! Non, mon frérot, ta main était là! Oui. C'était pour le spectacle! Ta main était là! Ta main était là! Mais t'es un assassin, frère! Ça allait le niquer! Mais non, sa main était là! Attendez, on se le revoit en replay! Je te jure que sa main était là, c'était pour le spectacle. Bon, ça suffit, va y avoir. Non, moi je pense que non. Oui, vraiment. Vas-y, on refait, Non, mais il faut qu'il ferme les yeux. Entre le petit doigt et le truc. Non, là-haut, là. Dans l'interstice. Il va se rendre sur de la merde, ça se voit. Mais toi, t'étais. Le truc, c'est que déjà demain, il est nul à Fortnite si je lui blesse une main. T'es un perturbé, toi. Putain, mais arrêtez! Je ne t'ai touché pas, c'était pour le show. Tu peux aller là partout. Ok, je mets là-haut, vas-y. Arrête de m'envoyer en bas! Ne te touche pas! Eh, hey, t'as trop peur, wesh! J'envoie juste haut pour qu'il ait confiance. Voilà. Ok, c'est bon, c'est terminé. Fin de la séquence. Merci beaucoup. Hey! Hola! J'espère que vous allez bien. Écoutez, petite nouvelle très rapide pour vous. Alors, sur la boutique, en ce moment, on fait le Black Friday et le Cyber Monday. Rendez-vous sur le shop. Il y aura des réductions, des bundles et tout plein de choses à partir du 24 jusqu'au 29 novembre. Donc, 29 novembre compris. Ce qui veut dire que ça se termine à 23h, 59 minutes et 59 secondes. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Prenez soin de vous. Bon la team, Andreas dans le dernier vlog il a dit qu'il allait faire la coupe R9 ouais. Mais sauf qu'il a essayé, ça rendait trop moche. On met juste une petite photo ici, il a dit j'assume pas. Mais par contre si vous êtes chaud, non, alors, je fais une coupe iroquoise. Et moi je lui ai dit je suis d'accord. Je trouvais que le rendu vraiment, enfin c'était pas gaulerie, c'était juste moche. On remet la photo juste là. Ouais, on l'a déjà vu une fois. Non mais la remet vite là. On la met et en tracking, là hop elle est énorme, elle prend tout l'écran là. Et du coup, je me dis bon, faut quand même tenir le pari. Ce qui peut marcher moi vu que j'ai de la matière juste ici, mm-hmm. Et bien on va faire le prolongement jusque là. T'as fait un petit iroquois. Très bien. Du coup faut que je laisse pousser, je sais pas quand. Oh bien, super. Ça joue au Coach Ball. Sachez les gars que dans ce vlog, on va faire un big compète Coach Ball. On fait big tournoi et le grand gagnant, il gagne un petit service de la part de tout le monde dans la boîte. Ouais, jeudi, mercredi, Dej Pokerstar. Voilà, si on remonte et que vous êtes en compétition de Coach Ball, il va me dire bon. Mercredi Pokerstar, je suis une grosse. Si je viens pas en casquette Pokerstar, pull Pokerstar, jogging Pokerstar, chaussette Pokerstar. Attends, mais on a le pull de Noël. Vous l'avez encore le pull de Noël? Moi, je l'ai encore. Mercredi, ça le met. Faut pas que j'oublie en vraiment mes messages. Bon bah très bien. Allez, voilà, big compète. C'est la réunion la plus importante de l'année. Hein. C'est là où il commence à dire ce qui se fait la, se passe l'année prochaine. C'est bon ça. Big compète, Coach Ball, jeudi. Et là on se fait un training. Est-ce que t'as envie de boire ou quelque chose? T'as besoin de quelque chose ou pas? C'est mercredi, décide qui va part dans les voyages Pégase. Ah oui. Tu veux quelque chose? Petite clémentine, peut-être je te l'épluche, non? Pourquoi t'as la veste liste à froid? Tu veux qu'on mette le chauffage? Tu veux quelque chose, petite clémentine épluchée? Ah il y a plus le bouton, hein, ça nickel là. Ça te va nickel. Les compliments nuls qui s'est pas complimenté. Bon bah une place vient de se libérer pour le prochain voyage Pégase, les gars. Allez Coach Ball. Oh wesh, wesh, c'est du jamais vu. Le coup de genou. Ça m'a déstabilisé, je me suis chié dessus. Ah ouais. Oh oui, le service était terrible. J'ai envie de tirer dessus. Je vais laisser gagner pour l'embrayage. Allez. Eh. Je l'ai bien niqué, hein. Ah, bien joué. Oh non. Oh non. Bah, bravo Élise. Non. C'était sûr. Ouch. Élise, tu jures que cette partie de Coach Ball n'influera en rien sur ta réunion de mercredi? Oui. Il va t'atomiser là. Non, elle a gagné. Juste PKS. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait. Fais pas genre, fais pas genre. Bien joué, Élise. Ok, Élise favorite pour le tournoi de jeudi. Hier, on a joué à Fortnite, il est nul à chier. Ouais, j'ai 400 000 heures sur Warzone. Ne sais pas prendre un duel à l'arme. C'est les mêmes mécaniques, t'es nul, frère. Ce soir, on joue dans Balati. Est-ce que vous avez senti qu'Andreas a ne serait-ce que carry un tout petit peu avec non, j'avoue, il a ça servi à rien. Je vais dire un truc, il va mettre tout le monde d'accord sur le cas d'Andreas. Il s'est lui-même deux fois boogie pendant des fights super importants. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Voilà. Pas que lui, il m'a boogie moi aussi. Palmarès de Steph dans un jeu.
veux, loot un pompe gris. Ouais, mais pas de sens. Okay, bah, voilà, je vous dis la vérité, 20 minutes pour loot. Non, c'est mais... ma faute parce que j'aime trop loot. Non, mais c'est aussi. Non, mais sérieux, toutes nos personnalités ne vont pas ensemble. Toutes nos personnalités ne vont pas ensemble. Ça, c'est vrai, ça. Et le tournoi d'Inox, ça va être quelque chose. Bon, la team, l'heure est grave. L'heure est très grave. L'heure est très, très grave. Comme vous le savez, chaque dimanche, les Best of Gotaga sortent. Chaque fois, avec Yann, on se met un peu d'accord sur les miniatures, etc. Toutes les semaines, Yann, il nous fait des petits croquis. Et là, je l'ai pas vu. Et il m'a dit, c'est mon banger annuel, il est là, c'est mon banger, c'est mon croquis, mon banger. Alors, les clips qui sont utilisés pour la minia, en fait, il y a Squeezie qui nous a fait toute une séquence de RP où il a incarné différents personnages. Pour les forcer à jouer avec lui. Pour les forcer à jouer avec lui, et surtout de quitter la game, parce que là, il est avec Takas en ranked. Il n'arrête pas de rejoindre le vocal en modifiant sa voix, en jouant le rôle de différents personnages. Par exemple, la première fois, il est dans... on a l'impression qu'il est dans une grotte et il fait genre, les gars, je peux pas sortir. Le seul moyen que je trouve la sortie, ce serait que mes deux meilleurs amis quittent la game. Et du coup, il fait que des trucs comme ça. Une image vaut mieux que 10 mots, non? Je suis dans un endroit très sombre actuellement. J'ai trouvé un manuscrit. Dessus, il est indiqué que pour que je sorte d'ici, il faut que les deux personnes que j'aime le plus au monde quittent leur partie de Fortnite. Voilà, c'était ce clip-là. Mais en vrai, je le fais mieux, non? Voici les deux possibilités. Donc ça, c'est la deuxième. Squeezie en robot extraterrestre qui fait péter Titan. Ce sera dans... ce sera vraiment un clip. Hein. C'est ce qui va les faire quitter, en fait. C'est le dernier, c'est le... c'est oui, c'est ce qui les fait quitter. Gotha qui se fait souffler par l'explosion. Et du coup, une explosion nucléaire bien visuelle derrière, dans le fond, sur Titan. Ça peut être rigolo. Et sinon, l'autre, un peu plus classique. Là, c'est Squeezie, je suis bonne. Bah, en fait, c'est Squeezie. C'est Squeezie partout, tout autour de Gotha, en fait. Gotha qui est mort de rire au milieu. Un peu à l'image de la mini Mr. V meurante qu'on avait fait sur l'autre best-of. Exactement. Pour représenter l'aventurier, j'ai fait un peu un Indiana Jones. Okay. Celui qui va se faire écraser et qui du coup il est en mode aide-moi. J'aime bien celle-là, moi. J'aime bien les deux sont bien. Je sais pas laquelle on va, sur laquelle et on du va coup, partir. Voilà, ça, c'est très les stylé. Deux possibilités. Mais voilà, le rendu final il s'affiche juste là. Alors le rendu final il devient un dossier d'Andreas, un dossier de Steph, encore un dossier d'Andreas, c'est gratuit, mon ref. Et encore le rendu final là. Pas mal. Pas mal, hein. Une petite masterclass. Je pense que tout est croquis pour en faire un truc là. Je sais pas, on en fait un tableau ou quoi, on les fout quelque part. Attends, d'abord, on peut peut-être montrer ce qu'on avait avant. Par exemple, ça c'était pour la minia du Best of 78 avec Inox et Gotha. Ça part de ça et on arrive quand tu vas sur YouTube. Et... on arrive à ça. Qui est similaire au final. Bah, en c'est, vrai, c'est un respectueux. Peu la même, hein. C'est la même chose. Aimé qui est pas tout seul sur ça, qui est épaulé de Léo aussi, à la direction artistique. Ceux qui créent les minis en fait, hein, ils prennent des croquis et après ils se démerdent un peu. Moi je les vois trop réceptionner des croquis et me dire putain, qu'est-ce que c'est que cette merde. Par contre, ça pourrait être grave un jeu où il faut deviner c'est quel mini à partir du croquis. Alors les gars, ça c'est quoi d'après vous? Je pense qu'il y en a, c'est sûr, ils ont la rêve de suite. Voilà, à la voyure les vloginous. Rentrez chez vous, cassez-vous. T'es encore là, vous? Je te vois, hein. Vas-y, coupe la merde là. Bon, la team, ça y est, ce soir on va aller s'entraîner. Stéphane, il m'a pas vu là, il est en train de manger sa salade. Il prend des forces. Ouais, Steph, prends des forces. Je fais assez à dire, j'aurais pas dû. Regarde la gueule qu'elle a. Non, mais t'inquiète, nous, moi aussi j'ai une salade à manger, t'inquiète. Oh, vous salade. Êtes des bases. Allez hop. Oh, la gueule. Allez, bon app, hein. Bon app, pour combien t'échanges ta salade avec moi, Andreas? Enfin, ta pizza contre ma salade? Je pense, pour vraiment pour rien au monde, je préfère mourir que d'échanger nos plats. 100 euros cash tout de suite. Je jure? Non. On ne joue pas avec la nourriture. Pour combien tu me donnes une petite part? Juste une part. Une part. Juste une part. Hein. C'est vraiment pas beaucoup sur une pizza, une part. 100, frère. Quoi? Vous voyez comment il est? Alex, pour combien tu me donnes une grosse part, la moitié de ta pizza? Je la donne, frère. Alex, pour combien tu me donnes la moitié de ta pizza? Je la donne maintenant, si tu veux. Ok, merci, mon ref. Trop gentil. Je t'aime, mon ref. Donne à tes prochains, et ils te donneront en échange. Mais what's me? Regarde-le, le vicieux, là. C'est ça, mon prochain? Ben, ça sera le prochain, frère. Là, je mange simple pour le tryhard de vendredi. Oh, la croûte. La mozza, là. Dégueulasse. Allez, bon app. Ça va. Ouh, Yann. Yannus 2000. Ça va, Fortnite. Oui. Pow. Il est 20h moins le quart. On va jouer à Fortnite. Je fais une transition. Regarde, pousse-toi. Je fais une transition. Oh, il fait quoi, Steph? Oh, oh, il a montré son trou de bave. Tu l'as vu ou pas? Oh, 4K. Steph, ça a lancé. Oh, oh, Stéphane, non! Ouais. Ah! C'est que du top 1 là, hein, que du top 1! 3 hours later. Enfin voilà, ça y est, c'est fini, on a fait quasi que des top 1! Et Andreas il reste parce qu'il veut faire de la ranked, voilà, gros geek. Gros geekos là. Tu joues avec une scuff au moins? Ouais. Mamma mia! Combien de top 1? 3?
4 je crois. Et les gens qui ont une vie rentrent chez eux. Wesh la team, bon c'est un grand jour les gars, regardez. On a joué le RP jusqu'au bout. PokerStars, waouh, le signe de fou furieux PokerStars. J'espère que c'est pas un signe bizarre, dans une autre langue ou autre que ça. Le pic de PokerStars la team. Oui Stéphane, qu'est-ce que tu fais? Bah je prépare les cafés pour PokerStars. Regarde le pull de Noël de l'année dernière. Mais par contre juste on fait pas ça parce qu'on a envie qu'ils nous renvoient aux Bahamas ou à la Zé. Non vraiment c'est juste par... Ouais juste comme ça quoi. Tous les clients ont fait ça vraiment, ouais. C'est pas pour partir en voyage hein. Ouais. Regarde, Andreas il a préparé les toilettes. Par contre, mes petites clémentines, verre de jus, ouais, allez. Potato. Et la masseuse arrive à 17h, je crois. Ah, c'est pas toi qui masse? Non, t'as mis les bougies les gars, à l'aloe vera. PokerStars et tout, on adore. T'as mis les bougies à l'aloe vera? Oui, j'ai tout préparé. Il est où ton merch PokerStars, toi? Je prépare un tatouage. Ah, ok. Va falloir malheureusement m'emmener pour peut-être que je me fasse tatouer. On va tout donner, les gars, pour vous ressortir un vlog comme vous aviez kiffé. Bah, masse d'ailleurs, je crois, presque 800, non? Ou 700? 700 000. Ouais. 700 000, oui. Allez, les petits cafés sont prêts. Oublie pas la petite touillette, le petit sucre. Alex, annonce un voyage, quelque chose. Pas encore. Il a rien à annoncer. J'ai rien à dire. Comment tu vas faire pour rentrer dans la salle de rue? Je vais faire comme ça. Ouais. Excusez-moi de vous déranger, c'est ici le meilleur site de poker de France. J'apporte mes petites bouteilles de vous. Très important de voir. Surtout quand il fait chaud. Par exemple, quand on était au Bahamas, il y a un jour, j'avais pas assez bu, c'était chaud. Allez, bonne réunion. Voilà, ils sont bien, j'espère. Hein. Café, clémentine. Attends, moi. Non, non, je veux sortir. Je vais faire sortir Alex, vous inquiétez pas. Non, non, mais non, je reste. Pitié. Alex, range-te ce gag. Non, arrêtez, c'est pas ce que vous croyez, monsieur de PokerStars. Ok, RP, Rudy Gobert. J'ai vous vu avez ça. La ref ou pas? C'est Rudy Gobert. Vous avez la ref ou pas? Non, il l'a mangé, Rudy Gobert. On t'aime, Rudy. De toute façon, Rudy Gobert, je le vanne pas parce qu'il peut être à Los Angeles et me mettre une chiquette avec ses longs bras jusqu'ici. Donc. On va venir te défendre, Rudy. Prochain voyage, on part prendre la défense de Rudy Gobert à Los Angeles. On part à la défense? Mais carrément. Bon, la team, on est en réunion pour préparer une émission de fin d'année. Je sais pas trop ce que vous allez pouvoir voir parce que ça spoil un peu, mais on prépare des trucs sympas. On va faire des petites vidéos de 2-3 minutes sur chaque truc. Il y a des cartes stars. Ouais, et Jika. Oh bordel! J'ai vu Jika courir derrière un bout! Tu restes là. C'est pas vrai! Ça va? J'avais dit en plus que je m'étais. Tournoi Coach Ball, une première pour Léa. On a une nouvelle strat avec Yann. Trapinard de ouf. Oh my god. Transformers. Mais Yann, du coup, il peut jamais perdre. Yann, il met les coups de tête comme ça. Là. le duo Fortnite de demain. Là, il a vraiment une tête de bite là. Bon du coup les gars, big tournoi Coach Ball, on a des caméras là-bas aussi et tout, comme ça vous voyez ce que c'est une vraie partie de Coach Ball. T'as un setup, t'as la Ligue des Champions. Ah les gars, là on est au max. Le rec est lancé ou pas? Attention. Attends. Vas-y Steph. T'es trop long non? Faut que tu sois sur toutes les cams en fait. Regardez-vous tous. C'est bon, on est partout là. Attendez, on est tout ça, on est à jouer, mais vous êtes des baisers là. Là, c'est bête le Coach Ball. Les gars, vous connaissez le Coach Ball. Et de toute façon, en commentaire, vous avez été des milliers à nous dire que vous voulez voir des Coach Ball. Andreas, il affiche plein de commentaires là. Il y en a eu au moins 1200, je pense. Il y en a eu 4000. En vrai, sans branle, ce qu'il fait, Alex. Les règles. Yann, explique les règles. Il faut taper la balle sur le fond. Ouais. Voilà. Sur le dossier du canapé. Voilà. Oui. Il faut que la balle ressorte du canapé. On a le droit à un rebond. Et la personne d'après doit la taper et faire la même chose et ainsi de suite. Si ça tape le mur, il se passe quoi, Yann? Si ça tape le mur, malencontreusement, c'est ciao. C'est terminé. Faux. Même si ça a tapé le dossier du canapé au préalable. Imaginons la balle fait. Tac. Oh c'est non. C'est ciao. Par contre, si elle fait... Là c'est nickel. Là c'est bien. Pour ceux qui connaissent à la récré, c'est comme un mur. Ouais, c'est comme un mur ouf. Steph il connaît bien les murs, il en monte tous les samedis. C'est vrai, si vous avez besoin de moi DM sur Insta, je vais vous faire un devis. On a 3 vies chacun, donc on fait 3 vies, puis 2 vies, puis 1 vie. Et ensuite quand on a plus de vie, on dit qu'on est geek. Être geek, ne plus avoir de vie, parce que vous avez capté la nuance. C'est notre manière de dire qu'on a plus de vie. Et une fois qu'on perd, c'est ciao. Il en restera qu'un. Attention, votre attention s'il vous plaît. Sachez que
le grand gagnant ou la grande gagnante remporte une semaine de vacances tout frais payé. Waouh, c'est ça? Non. Remporte un petit service de la part de tout le monde ici. Genre un féca. Ouais, un petit café, va danser le floss en bas sur la rue. Non, c'est pas un service, c'est un gage. Il reste plus que deux personnes. Donc la on repart à zéro. Voilà, la finale, on repart à zéro et c'est BO3. Ok, on fait comment pour le... l'ordre? Attendez, c'est quoi l'ordre, s'il vous plaît? C'est ça. Ok. Ouais, la première personne qui va sortir va devenir l'arbitre et va décider s'il y a des gènes ou pas des gènes. Allez, c'est parti. Deux vies, Elise. Un peu perdu pour Elise. C'est pas bon. Attention les services. Elise, elle est pas là pour faire du content. Du coup, on a une chance sur le service. Vas-y, Léa. Ah, c'est bien, ça fait deux rebonds. Attends, tiens, viens, Léa. Le canapé, en fait. Ça passe. Élise. Ça passe. Léa. Oui. Ouais, j'ai le chaud de ouf. Oh, la belle balle d'Andreas. Ouais. Evan, t'as deux vies du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dommage. Non, mais c'est pas con. Élise, une vie. Une vie. Regarde, c'est pas là. Oh, Élise! Elle s'est gênée pour l'erreur! Premier service! Non, je peux plus. Deuxième service. Abandonne pas. On veut montrer que c'est un jeu accessible. Oui! J'ai eu trop peur. Oh, ça m'a. Oui! Andreas, deux vies. Dommage, Andreas, dommage. Pas de mine. Moi, j'ai combien de vies là? Comment ça, pas de mine? Je vais mettre une mi-molle. Comme après 5 minutes. Allez. Oh non. J'ai deux vies. Ah, éliminé, Léa. Non. Léa, tu es l'arbitre. Deuxième service. Geek Elise. Elise, service des ténèbres, écartez-vous. Deuxième service. Allez, 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 allez. La pression. Une vie pour Andreas. Hop, Evan. Evan, une vie. Une vie. Ouais. Allez, ça dégage. Bien joué, Alex. Allez, ça dégage. Oh, ça joue là. Oh, Evan Geek. Ok, c'est bon. Je suis trop dégoûté pour Evan. C'est trop chier. Récap des vies. Moi j'en ai deux. Moi je suis geek. Trois. Moi, j'en ai ça fait. Vous êtes prêts? Putain, mais je me chie dessus là. Ah, mince alors. C'est pas représentatif de mon niveau. On est battu plus un ici. C'est vrai qu'Alice est très forte. Mais bon, on n'a pas l'épreuve. Ok. On est arbitre, il perd une vie. Tu piques. Le même service que Steph, du coup, est valable là maintenant. Oui. Oui. Alex, bon courage, mon ami. Ah ouais. Non, il faut toucher par contre le truc. Pas mal. Ça a pas touché. Récap des vies. Je n'ai plus de vie. Est-ce qu'il y a eu gêne ou pas? Il s'en fout dans les arbitres. On refait tout. Une décision arbitrale. Andreas, c'est ciao. Mon ref, je suis désolé. Trop deg. Allez. Yes! Deux touches. On l'a pas précisé dans la rouge, mais c'est une touche. Tu m'en fais une gentille, je l'allume, association. Association de la guerre. Oui! Non, ça joue! Non! Une vie pour Stéphane! Deux vies pour moi, deux vies pour toi. Ah non, t'as pas perdu. Oh! Ah, dommage. Oh!
Alex, tu viens de dire quoi, ah, putain. C'est bon ou pas? Ah, ça joue, hein, c'est bon. Ok, attends, récap des points. Un point, un point. Un point, un point. Ok. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Ah, oh, il l'a mis. Mince! Oh ah, non! Ma bonne! Tu t'arrêtes? Au deuxième service? C'est vrai. Si tu rates, tu perds. Bah, il faut faire un chill. Hein. Ouais! Niki! Allume le Yann! Oh oui, bien sûr. Oui, oh, 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 je salue la prise de risque! Dommage! Le plus fou, il fait ce geek! Il sort, allume-le, il sort! Le prochain qui perd, il est éliminé et c'est la finale! Oh non! Oh. Ah, yes. La finale, c'est Yann contre moi. Shifu, c'est Yann qui commence. Shifu, mi. Ok, c'est Yann qui commence. 1-0 pour Yann. Yes. Ah, c'est la finale. Là, 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 tout ce jeu sur le service. Les règles ont bugué, mince, on peut pas sortir du tournoi. Mais attention, dans tes services, ce n'est pas les gages que tu donnes, ce sont bien des services que tu demandes. Attends, des petits ouais, services, ah, je l'ai essayé. Regardez pourquoi Alex a gagné. Ok. T'étais team Alex depuis le début. Ah oui, je l'avais bien fait, c'est gagné. Putain, c'est toi qui as fini le stock, non? Ouais, j'en ai pris 25. Tu connais officiellement out of stock, hein, je sais pas si tu sais. Ah ouais. La 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 la. China les a tous brûlés. Bon, voilà les gars, je pense que vous avez kiffé. C'était le Coach Ball, ça ressemble à ça. C'est un jeu interactif à faire en famille. Pas du tout. Que des tryharders, les gars. En vrai, c'est vraiment incroyable ce jeu, on trouve trop. Et du coup, les gars, j'ai gagné un service parmi tout le monde. Là, je vais vous filmer ça. Je vais demander un peu des services à tout le monde. Ça va être très très drôle. Peut-être dans le prochain vlog, je pense. Bisous, l'équipe. Et on enchaîne avec la question de la semaine. Cette fois-ci, on va la poser à Lélé. Ok, Lélé. Donc, la question est la suivante. En plus de ton travail à la G-Corp, est-ce que tu continues ton activité d'architecte? Oui, j'ai toujours mon travail à la G-Corp. Et en plus, j'ai deux autres boulots. J'ai mon travail d'archi et mon travail de dessin, bah, qu'on voit là, que j'ai avec ma sœur. Et ça va, ça te plaît? T'arrives à faire ce que tu veux dans. Oui, en vrai, c'est trop cool parce que j'utilise aussi tout ce que j'ai pu apprendre avant. Et j'arrive à faire des passerelles entre les trois métiers, donc ça c'est assez cool. De ce que j'apprends ici, je peux aussi l'appliquer ailleurs. Et on a quelques missions aussi d'archi et d'aménagement ici, donc ça m'aide bien. Ouais, c'est vrai, là, toute la refonte des locaux et tout, là, c'était l'été dernier, non, il y a deux ans. Locaux en bas, c'était pas moi, mais je sais qu'on a fait d'autres projets. Oui, ici, tout l'open space, ouais, tout l'open space. C'était l'été dernier, et ouais, non, et après, il y avait d'autres projets aussi, et qui étaient assez cool, donc c'est sympa. Bon, mais merci, Lélé. Merci. La semaine prochaine, comme vous le savez, c'est une question pour Andreas, donc les questions ont déjà été posées. Et par contre, on a besoin de vous, parce que la semaine d'après, c'est une question pour Camille, donc allez-y, posez toutes vos questions. Bisous. Salut, mec. Ça se passe quoi, là? On en est où, tes sauts depuis les falaises, tout ça? Là, la prochaine fois, c'est je saute de l'Everest. Good job, belle équipe, comme d'hab. Ouais, franchement, une belle bande de bras cassés, ça fait plaisir. Ah, mais c'est bien. Bon, quand je regarde les vlogs, je me marre. Bon, vous avez bien raison, c'est gentil en tout cas. Ouais, donc plus ouais. Fléchette. Vous avez l'air beaucoup plus cool que votre fils, ça fait plaisir. Vous passez ici quand vous voulez. Eh, non, mais t'as remarqué, des fois, il est un peu tendu quand il perd. Ouais, mais c'est. Nous, il nous fait le coup d'éteindre le PC direct. Même pas au revoir, rien, paf. Il y a les manettes qui volent, c'est déjà arrivé. Ça va, ça, il se retient. Bon, on va couper le call. Salut papa. Allez, bisous beau papa. Beau papa. Allez, bisous. C'est passé quoi là? Ouais, j'ai expliqué, non? Je sais pas, il est en collection d'arons et il m'a menacé. Bon bref. Allez, ça finit au comico. Je descends, qu'est-ce que je vois? 14h30 vendredi, ils sont déjà en train de train alors que nous on est en réu depuis 2h. Vous êtes sérieux les gars? Là vous êtes en train de tryhard là. Allez bosser là, il y aura pas de vlog et de best-of sinon. Il est en export, tu vas en export. Ouais. Later. Yo la team, vendredi, best-of fini. Ouais. On le réacte avec tout le monde. Vlog fini aussi. Et ouais, putain, j'ai fini le vlog. On a que Fortnite, du coup on s'est pressé. Et ouais. Et ouais, purée. Jamais été aussi efficace. Je vais la mettre vers ici. Viens voir le best-of, tu es dedans. Ah oui. Sinon, elle vient jamais regarder parce que son. Oh non, attends. C'est pas vrai, j'ai. Dans le dernier vlog, il y a un review en plus. Ah putain. Ah, si vous ne quittez pas tout de suite votre game Fortnite, les représailles envers votre planète seront sans précédent. Vous avez une minute. Alors, on va faire exploser la planète. De... Voilà. Stylé.
Trop bien, j'aime bien le concept de la menace qui arrive à exécution à la fin. Pile une minute après ce qu'il était demandé. Dans, même dans le best-of, putain, incroyable ça. Fortnite maintenant. Ça y est les gars, c'est le grand jour, c'est le moment. La Cup d'Inox. Ils sont en plein tryhard, c'est pas C'est le jour J, l'équipe. Oh là là, la cave a été installée, regardez ça. Arrête. Ramène d'autres jouets, toi, va chercher des trucs. Ils sont juste bas. Mais ramène les gars derrière et tout, comme ça on les a apportés, on peut rigoler ensemble. Il est juste là, il sait qu'il a rien à donner sur Fortnite, il va tout donner en dehors. Ah non, mais frère. Il est juste là pour se mettre tout nu sur Fortnite. Moi, je n'ai pas à donner sur Fortnite. Pow! Ah! Mais ça fait trop mal, ça chien! On joue à Fortnite! Moi, je prépare le stream de tout le monde. Moi, je suis en train de faire le jeu. Je prépare le stream pour que vous ayez des preuves et qu'on puisse vous remettre ce qui s'est passé dans le vlog. Tout à fait. Et puis, ça va être bien! C'est parti, les gars! Oh la bête de transi! Oh la bête! Ah, allez, tout sur mon stream, petit petit bon! Oh là là, je vais péter mon crâne. Ouais, Stéphane! Eh oh! Dans quoi on s'embarque, les gars? C'est trop hype, moi. Je pense qu'on va lancer, mais on rush, on fait vraiment une section d'assaut, ok? Quelques billets de sang, ça part en giclée de sang. Ce parking de la boîte, toutes sortes de plaques. 9-1, 9-2, 9-3, 9-4. Il y a un mec, il a dit. Écoutez bien, y'a Master Kill ou quoi là? Dwagby il a changé. Est-ce que Andreas a prévu de se faire greffer des cheveux? Ben, on sait pas trop la team encore. J'ai pas vu ce commentaire, mon ref. T'en tires pour voir? J'ai mon casque à l'envers. Oui, oh, je teste, ils sont trop forts. Oui, t'as ton casque à l'envers, Yann. Le micro il se tourne complètement si tu veux. Non, fallait pas lui dire, j'avais fait exprès. C'était toi, sale bâtard. Andreas il stream, je crois, les gars, c'est son premier stream. Il a dit stream, c'est 10 games. Et on est déjà mort. Ça y est, c'est fini, vous êtes morts. On fait top 35. Ils étaient méga forts ou vous avez choqué? Non, mais c'est juste. Steph, concentre-toi. Oh putain, frère. On a perdu quoi qu'il arrive, Steph. Go, 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 go. Eh, c'est chez nous, Tilted. Ramenez-vous là. Je viens avec toi, Steph. Qu'on reste stack. Il est loadé. Derrière toi. Puis on le fume à deux. C'est bon, on a tout ça. Mais bon. Wesh. Un KO. Ah, je suis down. Il y a encore un mec. Je sais, Alex, mais j'ai fini. C'est chez toi, mon Steph. Prends son pompe de merde. On va juste regarder Optix qui finissent. Ils sont à 64 points, les gars. C'est beaucoup en vrai. Faut pas le rater. Waouh. Les mecs qui ont fait top 1. Allez, Andreas. Bien joué. Oui. Let's go, ça. Ils sont à 70 points, les gars. C'est. Oh la caps. Putain. Ah, ça me casse les couilles. C'était tellement. On pouvait tellement avoir top 1, putain! Les gars, vous avez fait combien de points? 72 points! Et les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, 72 points, vous êtes dans le. J'ai la haine! Il m'a mis trop mal, frère! Mais après, le nombre de GG que vous avez pour vous, sur mon chat, il y a sans exagérer au moins 1500 GG, frère! Putain, j'ai le seum! Oh, du seum, let's go! Encore! J'ai eu du seum! Fais quelque chose, frère! Ok, attends, elle est où ma cam? Danse! Katsu! Arrête! Danse! Let's go! Ça danse pour 10 seum! Imagine, poisson! Tout le monde va avoir mon bazouzou ou quoi? Sans seum, je veux pas, voilà! On est top 3258. GG, putain, c'est chiant, c'est énorme! Est-ce que tu peux nous dire combien il y avait de gens au total? 37 000. Il y a eu 37 000 teams! Y'a un mec, il a dit, ah ouais, en fait, Alex, il a la même IM dans le jeu que IRF! Et voilà, soirée terminée, on fait l'outro du vlog. En gros, bah là, faut ranger maintenant. Ah ouais, là, on a foutu le bordel avec les fichiers. Tout était en place dans ce Master Kill. L'expérience de stream en bas là, c'est bien amusé. Le fait d'être tous ensemble, c'est trop bien. Du coup, bah, on vous dit au revoir. Passez un bon week-end. Et on va aller se coucher. Y'a quoi demain déjà? Demain, bah, y'a le best-of. Allez le voir parce que c'est une pépite. En fait, j'ai pas encore monté donc j'en sais rien, mais je pense que. Eh frère, c'est hyper lourd comme ça. Tu penses que t'es toujours dans ta stream? Ouais, je pense que j'y suis encore la semaine prochaine. Et puis, on vous fait de gros bisous. Passez un bon week-end. Et lundi, y'a quoi? Y'a sûrement une émission de zinzin préparée par Steph. Ouais, la team. Je vais aller voir Inox parce qu'il est déjà arrivé. Oh! Yeah! Arrête, docteur! Mais t'as pas c'était mon taf de streamer le jeu. Ah ouais? Masterkill! Non, mais arrête, toi aussi, c'est humiliant. Il y a une partie de la population qui n'a pas connu ce quota-là. Merde!